Le vice-président du PDCI-RDA, le général Gaston Assénakone, est à jamais dans nos cœurs. La résidence de ce grand serviteur de l'État du Côte d'Ivoire ne désemplit pas depuis le mercredi 18 octobre 2023, date de l'ouverture officielle de ses obsèques. Ainsi, dans la soirée du samedi 21 octobre 2023, plusieurs délégations et de personnalités ont-elles été présentées leurs condoléances à veuve Antoinette Nyanzou Wassena, aux enfants et aux familles Wassena et alliés. Le PDCI-RDA a marqué toute sa solidarité à travers la présence de fortes délégations auprès de la famille, celle de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, des vice-présidents, de l'UFPDCI, de la JPDCI, des délégués départementaux et communaux, ainsi que la délégation PDCI-RDA du Grand Nord conduite par Madame la ministre Assana Sangaré, vice-présidente du PDCI-RDA. Les officiers supérieurs de la gendarmerie, les épouses des généraux et des officiers supérieurs ont également salué la mémoire de l'ex-général de division, grand architecte de l'armée de Côte d'Ivoire, monument de la gendarmerie nationale.
C'est vous qui êtes le chef de délégation, venez vous asseoir. D'autres délégations, en l'occurrence celle de l'ex-président du Sénat ivoirien Jeannois Oussou-Kouadio, de la famille Kouazan, famille de Mme Henriette Konabédié, sans omettre la délégation régionale du Zanzan avec les personnalités de Bondoukou et de Tanda, ont aussi rendu hommage à la mémoire du ministre Gaston Assénakoné. La soirée du dimanche 22 octobre 2023 mettra fin aux présentations des condoléances à la résidence des Wassenans pour laisser la place à partir du lundi 23 octobre 2023 aux cérémonies d'hommage et de recueillement qu'organise la nation ivoirienne à travers différentes institutions de l'État du Côte d'Ivoire. Puisse le Seigneur se souvenir de cette personnalité multidimensionnelle que fut Gaston Assénakoné.